Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte et comme vous le voyez à l'écran, nous sommes sur Lens Island. Alors, d'après le descriptif Steam, il va falloir combattre, il va falloir construire, il va falloir récolter, il va falloir explorer, on va essayer de construire un petit peu le monde de ses rêves et explorer les mystères de l'île, mais il ne faut pas se séparer de son épée parce qu'il y a de dangereux ténèbres et sûrement des créatures à combattre. Le jeu est prévu pour octobre 2021, il n'y a pas de prix pour l'instant et le jeu n'est pas prévu en français pour l'instant malheureusement. On va tout de suite le découvrir ensemble, alors je suis sur une version de démo, attention, il y a des choses qui peuvent changer bien évidemment. Donc je dois me personnaliser, qu'est-ce qu'on va se prendre, oui bah, le petit gilet. Bah, voilà, comme ça c'est très bien. Comme ça, start the game. Alors, bienvenue dans la démo de Lens Island. C'est une petite démo qui va nous donner une preview de ce qu'on pourra voir dans le jeu final. Ok. Hop, on va passer. Donc on va... Alors, ça c'est pour... Ça c'est pour se déplacer, ça c'est pour l'action. Ok. 1, 2, je switch. Tab, c'est quoi? C'est mes ressources. Alors il y a le bois, les fibres, l'argile, le verre, des saphirs, des pierres précieuses, des lightstone, des dark essence, du métal. Enfin, c'est plutôt du métal de récupération, des éclats de métal, du charbon, de la limestone et de la pierre. On va également avoir des baies, de la lavande et d'autres choses. Ça, je ne suis pas sûr dans la traduction, marigold. Ah, là, comme ça, je ne l'ai pas. Pumpkin, c'est la citrouille, la pumpkin. Et ici, on va pouvoir construire, bien évidemment, des bouts de chez soi. On voit qu'il y a 2-3 trucs à construire quand même. Et on a des sous. Ok. Mince. Ok. Donc là, il faut que je me déplace. Je pourrais par exemple couper un arbre. Ah oui, il y a un système de combo. Ça clignote. Ok, je l'ai fait tomber. Donc là, je peux récolter du bois, par exemple. J'imagine que je pourrais aussi récolter des cailloux. Si je tiens à appuyer, ça marche pas. Ok, on a des cailloux donc. Ah, là j'ai une roulade. Info. Alors oui, on est venu dans la démo. Des objets de nourriture, tu es qui toi, un marchand? Pardon, je voulais pas. Je pourrais l'équiper. Ah, et ça me coûte des choses, d'accord. Ah oui, là il vend. Et là il vend des armes aussi, bon. Donc ça c'est un marchand. On a une bouteille. Alors là, on est beaucoup trop loin. Peut-être plutôt prendre la hache pour ouvrir un tonneau, voilà. On peut nager ou... Ouais, on peut nager. J'ai une carte quelque part? Non, j'ai pas de carte. Donc là, il y a des ressources. Je pense pas que ce soit le plus adapté. Je peux tourner la vue? Non, a priori non. Il y a des trucs. Alors un petit peu et là ça a l'air de continuer vers une autre île peut-être.
Oui, regardez, ça continue sur une deuxième partie de l'île. Ah, avec une cabane. L'île des pirates. Ah, je pourrais y avoir un coffre. Ah, on peut sauter. On peut sauter, c'est merveilleux. On peut se rater aussi. Oh, on peut sauter, rouler. Hop là. Je peux pas juste l'ouvrir, je suis obligé de le fracasser. Ok, on a trouvé des pièces d'or. Intéressant. Ça permet d'avancer plus vite. Hein. Et là, on a une caverne. Est-ce qu'on pourrait se bâtir déjà un petit quelque chose si je fais tab? On peut se bâtir un petit. Je passe en edit mode. Ah, je dois faire glisser comme ça. Ah oui, il me faudrait plus ça. Donc il me faut ça. C'est long. Ok. Ah, je peux régler la hauteur. Ah oui, admettons par exemple que je veuille me poser un truc là, comme ça. Je vais mettre des escaliers qui y vont, comme ça. Ah, et ça y est, j'ai déjà plus de. J'ai déjà plus de ressources. Oh, c'est la loose! Tomber les arbres. Hein. Ouais, j'ai pas fait beaucoup de bois. C'est pas grave, on récolte. Donc là, je pourrais, je sais pas, me faire un mur avec une petite porte comme ça, voilà. Hop, et donc là, je serai dans mon chez-moi. Admettons que je veuille mettre un deuxième comme ça. Et j'ai plus de bois déjà. Mais ça coûte vachement cher. On se met un petit mur là. On sort chez soi. D'accord, donc on pourrait construire comme ça tout un chez soi. Qui a l'air assez sympa. Avec raffinerie, weapon rack. Ok, il y avait pas mal de choses. Et l'idée, du coup, ce serait d'aller après explorer les donjons. Donc on va aller voir. Ah non, 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 arrête de taper. Non. Les anciennes caves. Donc là, on pourrait miner, ça doit être du charbon, ça. En tout cas, c'est solide. Là, il y a des tonneaux. Pas mal de bêtises. Je vais éviter de tomber et de mourir, peut-être. Et là, il y a une bestiole. Ah, si j'arrive à taper avant qu'il tape, on est bon. Non, il me tape quand même. Hein. Faut pas dire que ma hache soit super efficace pour le fracasser. Et là, il y a un truc. Mais on sait pas ce que ça veut dire. Et je peux continuer par là. On va fuir, courage. Ok, là il avait l'air d'avoir un truc à récupérer. Non, mais non, 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 arrête, arrête. Je suis pas prêt pour me combattre là. J'ai pas ce qu'il faut. C'est génial, vos caves.
On reviendra plus tard. Ok. Et là, on a encore des ressources. Mais comme on n'a pas de carte, c'est pas évident de savoir du coup jusqu'où on peut aller. Peut-être moyen d'avoir une carte quelque part. Oh là, oh là, oh là, le puzzle jump de mort là. Oh là, oh là là, oh là là. Il y avait quoi ici? Réparer. Ah, bah là, on pourrait avoir accès à une nouvelle partie de l'île. D'accord, en réparant ce truc-là. Intéressant. Intéressant. Bon, je pense qu'on a vu quand même un petit peu du jeu. On a vu les mécaniques de construction, on a vu les mécaniques de récolte, on a vu qu'il y a de l'exploration dans les caves. On a vu des ennemis, même si j'avais pas d'épée, c'était peut-être pas une super idée. Donc on a quand même vu un petit peu ce qu'il en est du jeu et de ce qu'il pourra proposer. En tout cas, ça a l'air bien sympa. Moi, ça me plaît pas mal. Je vais tout de suite aller wishlister le jeu et je m'y intéresserai de plus près quand il sortira. N'hésitez pas à faire de même, bien évidemment, s'il vous intéresse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le partage, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.